François Valéjo, vous êtes l'invité de la Galerne pour votre roman Métamorphose, publié comme les précédents par Viviane Amy. Parmi ces métamorphoses au pluriel, il en est une qui est le moteur de votre roman, celle d'Alban, qui devient Abdelkrim après sa conversion à l'islam. Avec ce livre, il me semble pour la première fois, vous plongez dans une actualité religieuse, sociale et politique brûlante. Est-ce que c'est un sujet qui s'est imposé à vous ? Oui, c'est vrai que j'avais pris ces dernières années l'habitude de contourner le présent par des voyages dans le passé. J'ai écrit des livres qui se passaient à d'autres siècles parfois ou plus proches de nous. Et donc, je me rendais compte qu'à chaque fois, mon sujet, c'était quand même aujourd'hui. Et je me suis dit qu'à un moment donné, il fallait que je parle vraiment d'aujourd'hui directement en face, parce que je voyais que des questions qui se posaient à moi, celles de la violence, celles de... des dérives de chacun avaient une résonance très forte aujourd'hui, et donc pour moi ça a été d'un seul coup la prise de conscience qu'il fallait en parler sans phare, et sans masque. Alban se convertit, puis se radicalise et enfin dérive vers le fanatisme. Parmi les nombreuses questions que vous soulevez, il y a celle du recrutement, de la manipulation, du libre arbitre, celle du choix. Est-ce que finalement, c'est cette détermination de l'individu qui vous intéresse le plus ? Oui, pour moi, la question, c'est de savoir ce qui fait que tant de gens, à une époque, à un moment, partagent des valeurs, alors qu'on a l'impression que ces valeurs-là ne sont pas forcément profondément ancrées en eux. On a l'impression qu'ils vont les chercher ailleurs, qu'il y a une espèce de mimétisme, une volonté de s'associer, de ressembler aux autres, etc. Et donc, pour moi, il y a cette contradiction profonde entre ce qu'on est vraiment et ce qu'on accepte d'être, ce qu'on a envie d'être à un moment qui n'est pas forcément la conviction la plus profonde. Et donc, j'ai voulu réfléchir à ce moment de bascule où quelqu'un abandonne ce qu'il est pour embrasser quelque chose qu'il croit être davantage lui-même, alors qu'en réalité, c'est ce qui va le nier. Le roman, c'est le journal d'Alix, la demi-sœur d'Alban, qui, paniquée par la conversion de son demi, comme elle l'appelle, essaie à la fois de comprendre et surtout de trouver les mots pour l'arrêter. Vous montrez, à travers le personnage d'Alix, à quel point nous sommes démunis face à une trajectoire individuelle. C'est vrai que pour moi, le livre lui-même repose avant tout sur cette relation entre la narratrice et son demi-frère, parce que ce n'est pas au fond véritablement l'histoire d'un itinéraire, l'histoire d'un homme qui bascule dans le radicalisme islamique, c'est plutôt la rencontre, pour moi, entre une occidentale pure confrontée au problème d'aujourd'hui. Et c'est donc son intimité mise en cause par ce spectacle, par cette obsession actuelle de la religion, alors qu'elle en est complètement, elle se sent complètement étrangère à cette situation. D'un seul coup, être obligé de se confronter à ça, c'est se remettre en cause soi-même. Et donc pour moi, Alix justement devient importante dans l'histoire, presque plus que son frère, parce qu'elle devient celle qui va essayer de ressentir, d'être un peu l'élément sismique, enfin en tout cas sismologique, quelqu'un qui est en train de ressentir les tremblements de terre autour d'elle et qui essaie d'en rendre compte, qui essaie de s'en approcher. Et donc pour moi c'est ça qui est important, c'est son intimité à elle face d'un seul coup à cet univers trop vaste pour nous. Pour reprendre les propos d'Alban, l'islam, en devenant la question centrale, deviendrait un révélateur de notre société. Et ça, j'ai trouvé que c'était une question très intéressante que vous posiez là. Oui, ça rejoint exactement ce que je viens de dire sur la réaction d'Alix, c'est vrai. Pour moi, c'est devenu l'espèce de ligne directrice aujourd'hui autour de laquelle tout le monde se place, soit pour, soit contre, et ça devient d'un seul coup quelque chose qui nous pousse à nous comprendre, à nous changer peut-être, à nous remettre en cause, à nous interroger sur ce que nous sommes, à notre propre civilisation suit des voies, et d'un seul coup ces voies se heurtent à une autre vision
et quelque chose ne colle plus, ou quelque chose d'un seul coup devient inquiétant. Et donc c'est pour moi cette espèce de confrontation entre ces mondes, cette porosité aussi entre les deux univers, cet Occident, cet Orient nouveau, et les inquiétudes que ça suscite. Et c'était pour moi tout l'enjeu de la confrontation entre une demi-sœur et un demi-frère, parce qu'il y a aussi cette dimension de fraternité qui est importante entre les deux univers. Vous êtes lecteur, hein ? Est-ce que vous avez un livre à partager avec vos lecteurs ? Je viens de lire avec beaucoup de plaisir le dernier livre de Marie-Hélène Lafon, qui s'appelle « Les pays ». Donc j'ai déjà apprécié tous ces livres précédents. Et celui-là, tout frais dans mon esprit, donc m'a fait un grand plaisir. Donc je suis prêt à le partager avec d'autres. Très bien, je vous remercie François Valéjo.